depuis... Ouf, ça fait longtemps, ça va bientôt faire 40 ans. Moi, ce qui m'a donné envie de faire de la musique, c'est les premiers groupes anglais des années 60. Parce qu'avant, n'importe quoi, de toute façon, ça m'émouvait en tant que musique. Mais quand il y a eu le blues boom anglais, je dis ça à partir des Yardbirds, Beatles, Animals, Stones, tout ça, là, j'ai vraiment eu envie d'abord de jouer de la guitare, parce que je chantais déjà un petit peu comme ça, ne sachant pas jouer. J'ai donc eu envie de jouer de la guitare, et un petit peu plus tard, je me suis dit, je crois que je vais faire mon métier de ça, parce que c'est plus gratifiant quand je faisais le bœuf dans les balles, c'est plus gratifiant quand les gens me font part de leur enthousiasme après que j'ai joué, que d'aller à l'usine, parce que j'ai fait un petit passage à l'usine à l'âge de 16 ans. Donc c'est là que j'ai compris, en faisant le bœuf le week-end. Ce qui m'a le plus influencé au début, c'est évidemment donc ces groupes anglais, y compris donc Eric Clapton, Jeff Beck. Après, il y a eu en rentrant plus loin dans le blues, il y a eu Peter Green. Il y a pas mal d'autres groupes anglais. Il y en a beaucoup de groupes anglais qui m'ont touché. Pour vraiment citer les idoles, c'est vraiment c'est Clapton, Green, Beck. Et après, évidemment, Hendrix, car c'était la tornade qui a tout balayé. Mais bon, je dis pas que, par exemple, un type comme Pete Townshend, ou avec ses rythmiques incroyables, ou le guitariste de Free, Paul Kossoff, ne m'est pas influencé, quoi, puisqu'ils avaient tous un petit truc, donc forcément, ça m'a servi. Et d'ailleurs, ce qui se ressent dans le live au Cristal, c'est vraiment un côté un peu claptonien. Un peu plus tard, il y a eu aussi le côté Allman Brothers Band, qui sont des blancs rendant hommage à la musique des noirs, ce que je fais depuis toujours. Donc il y a forcément aussi une petite couleur qui vient de chez eux. Et dans les titres, il y a des choses que j'ai entendues jouer donc, par les Allman, par Peter Green, par Clapton. Etc. Mais je fais aussi quelques morceaux d'Hendrix, évidemment, mais il n'y en a pas sur le live. Alors, sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire, mon petit vieux? Mon dernier gros coup de cœur musical, bon, ça remonte à longtemps, hein, c'est quand même... Je pense que c'est quand j'ai découvert et Larry Carlton et Robin Ford. Alors ça fait quand même, je dirais, une bonne vingtaine d'années facile, quand c'est pas un peu plus. Et là, vraiment, je me suis retrouvé en fait dans des gens qui avaient fait un chemin parallèle au mien. Je ne les connaissais pas avant. On est à peu près de la même génération, à un an ou deux près. Et je me suis rendu compte que... parce qu'évidemment, après les groupes anglais et les groupes American Blues, j'ai écouté évidemment les originaux, Billy King, Freddie King, Albert King, Albert Collins, tout ce qu'on veut, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte d'où s'étaient inspirés les autres, quoi. Quand j'ai découvert Carlton et puis Ford, je me suis dit, tiens, c'est marrant, eux aussi, apparemment, ils ont écouté tous ces gens-là, mais ils sont parvenus à une musique un petit peu plus subtile, un truc un peu jazzy, planant, selon. Et je me suis reconnu dans certains trucs, quoi, sans prétention, hein, d'avoir en fait porté le blues à un niveau un tout petit peu plus subtil harmoniquement, quoi. C'est là où je me suis reconnu. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment les coups de cœur de l'époque. Mais bon, depuis, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui me cloue en matière de guitare. Et pourtant, il y en a des bons, hein. Bon, par exemple, dans le domaine du slide, où je m'y connais pas mal aussi, il y a un gars qui s'appelle Eric Sardinas qui a éclaté il y a tout récemment, quoi, je crois, 4-5 ans qu'on en entend parler. Et c'est vrai qu'il est... Il a repris plus ou moins, il a repris le flambeau de Johnny Winter, tout simplement. Et c'est bien, quoi.
moi qui pratique le slack, je reconnais que c'est du sérieux, quoi. C'est du sérieux. Alors, quel est ton meilleur souvenir en enregistrement ? Putain, c'est des questions très difficiles. Je vais peut-être pas dire le vrai bon meilleur souvenir, à savoir. Le meilleur souvenir en enregistrement, bah, y a un bon souvenir, c'est si tu veux d'avoir par exemple enregistré, tu vois, ça remonte encore à très loin en 80 sur l'album de Bill de Rem, Plus la peine de frimer, justement ce morceau-là, Plus la peine de frimer, je l'ai enregistré en la présence d'Eddie Mitchell, qui était dans le studio d'à côté, ou qui nous rendait visite pour nous écouter parce qu'il avait des visions sur nous. Pour un futur de collaboration. Et donc, c'est vrai qu'avoir joué l'intro instrumentale de Plus la peine de frimer, en sachant que le gars Eddie Mitchell écoutait, je me suis appliqué, quoi. J'ai fait une prise, pour moi elle était magique, et donc j'ai dit c'est bon, on ne fait pas d'autres essais, quoi. Ça peut paraître prétentieux, mais bon. En même temps, moi je sais que quand je joue en studio, si je dois amener quelque chose, sauf un truc qui est travaillé, tu vois, donc on peut éventuellement faire plusieurs prises pour que ce soit cohérent ensemble. Hein. Mais par exemple, des interventions, des choses solistes, en général, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est le premier jet, parce que c'est très frais. Quelque part, c'est une espèce de séduction avec la structure rythmique du morceau. Hein. C'est-à-dire, on lui fait des propositions au morceau et en général, ça accroche plus facilement que de lui faire une proposition réchauffée. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu comme une drague. Maintenant, après avoir joué avec Eddie Mitchell et Bill de Rem, des gens aussi célèbres et puis d'autres personnes, quels sont tes projets jusqu'à la fin de l'année ? Alors, mes projets jusqu'à la fin de l'année, là on continue, moi je suis toujours en fait le sideman de Bill de Rem. J'ai un peu cessé d'être le sideman mercenaire que j'ai été jusqu'à il y a à peu près 12-13 ans. Hein, je me suis calmé au début des 90 parce que jusque-là j'avais fait la plupart des gens qui font dans la musique de variété française quelque chose qui se rapproche avec ce que moi j'aime. Les trucs un peu rock, un peu blues, un peu country. Bon, j'en ai connu la plupart, quoi. J'ai travaillé avec eux, hein, donc j'étais satisfait. Je me voyais mal, je sais pas moi, être derrière une petite minette à la main. Ou je sais pas quoi accompagner, je cite pas de nom, quoi. Mais il y a des gens par exemple qui font le même métier que moi qui vont dire oui à tout et à rien, et moi je me voyais pas comme ça, donc j'ai mis un frein au fait d'être sideman de Pierre, Paul ou Jacques, et à partir de là j'en fais qui me plaisent quand on me le demande. Par exemple, on me dirait tu veux faire Zachary Richard, par exemple, je dirais oui, parce que c'est un truc, tu vois, c'est dans mes cordes. Il y a un peu de blues là-dedans, il y a un peu de rock'n'roll, bon, il y a du Cajun, tout ça, tu vois, ça flirte avec le blues. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais je pourrais pas faire, je dis, n'importe laquelle des petites vedettes qui sortent maintenant. Quoi, tu vois, même, je sais pas, je suis pas sûr, je dis peut-être une connerie. On dit toujours Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, ça se dit pas. Par exemple, un mec qui marche bien maintenant, Florent Pagny, mais je ne me vois pas l'accompagner, par exemple. Pourtant, j'ai rien contre lui, hein. Ouais, ouais. Mais je crois pas que je m'y retrouverai, quoi. Je m'appelle Miguel M, du Miguel M and the Brachis Blues Band, et voilà, aujourd'hui c'est le groupe, le nom c'est Miguel M Blues Band, et je joue du blues. Yeah,
anglaise, si ce n'est que surtout mon influence majeure, c'est Albert Collins. Et forcément, il y a des mecs comme B.B. King, Albert King, et tous ces gens-là qui m'ont vraiment beaucoup influencé. Et je crois que ce sont des bonnes influences. Hein. Alors, est-ce que tu as un moment magique, un des meilleurs souvenirs en enregistrement ou sur scène qui a vraiment marqué depuis le début de ta carrière? Un truc important, je sais pas, un jam Bah écoute, toutes les scènes sont importantes. Ouais. Les scènes sont importantes parce que à partir du moment où il y a un public, quel que soit le nombre, on s'en fout, mais il y a un public qui est là, qui est venu là, qui a payé sa place, et qui s'est bougé, et qui malgré tout peut être très intéressant en plus. Donc pour moi les concerts importants, c'est tous les concerts sont importants. À partir du moment où je suis sur scène, c'est important. Justement, les projets pour jusqu'à la fin de l'année, est-ce qu'il y a des festivals pour cet été? Les festivals, oui, parce qu'il y en a quelques-uns, mais il est évident qu'il faut se renouveler. Donc pour se renouveler, il faut faire un album. Et je pense que quand il y aura l'album, on pourra parler un peu plus de festivals, je pense, quoi. Ça me paraît logique. Mais en même temps, oui, on a un festival de La Voix du Blues à Avignon, le 5 septembre. Sinon, on est dans la nuit du blues de Vic-sur-Serre, le 1er août aussi. Voilà, et c'est tout. Et sinon, demain, voilà, je vais faire un tour à Cahors. Je suis invité à Cahors, au festival de Cahors. Et un gros bisou alors, et merci encore beaucoup. À la prochaine. Who gave me the desire to become a professional musician? I don't think anybody gave me that desire. I think I was born with it. And my main musical influences when I was growing up was probably John Philip Sousa, Dion and the Belmonts, the Kingston Trio, and the Beach Boys. My last musical crush of the past few years, I don't know, hard to say. Crush kind of means a romance. I don't know, I liked probably the same crushes I've always had, you know, Bob Dylan, the Rolling Stones. What is your best memory of a town? I think the time I played in Brussels for their millennium in 1982, I think it was, and the main plots there was really something. A tour that I've seen, well, I saw the Rolling Stones play 2 days ago, and that was pretty incredible. Tour that I've been associated with, I think, in the early 80s, I did a tour of France with Rory Gallagher, and that was very memorable because he was... And Johnny Winter, 1983. Yeah. Do you remember? A few shows, I remember that too. My best memory of a session in a recording studio, well, I think it's probably the last album I made, which I recorded in Le Havre, France. It's a double album, 22 songs. It'll be out in September. It's called Strings of the Storm. So that's my basic plan for 2004, is the same as my plan was for 2003, 2002, 2001. Stay on the road, play good shows, try and give my fans the best I can, what I have, work harder. You know, just try and get better at doing these few simple things. Yeah, a big good luck to Mazel TV. Thank you.
chemin. Des images chèvent toujours à la pluie qui niche, qui tue et où tu mourras. Dans l'aigu tout fait tout beau, je suis assis du bord des enfants. La balle bénie de ce nouveau Dieu qui a du matin à l'ambiance.